Bonjour chez vous. Voici ici une petite idée de ma récolte de patates douces de cette année 2024. Mais contrairement à l'année dernière où j'ai fait mes boutures dans de l'eau, je vous indique ici la petite vidéo qui y fait référence. J'ai fait cette fois-ci mes boutures dans du terreau directement en coupant deux, dans le sens de la longueur, une patate douce. Alors, elle produit des boutures, des petites lianes, et ces lianes, je les mets dans de l'eau pour leur faire des racines, et une fois qu'il y a des racines à ce moment-là, on les rempote dans du terreau pour les faire grandir en attendant de les replanter dans le sol. Et j'en ai fait une quinzaine de boutures qui ont été ensuite replantées dans une butte permacole. Hein. Donc vous allez voir tout de suite que la terre, c'est quasi du compost pur. Ça fait déjà la troisième année que je la réalimente chaque année. Et vous voyez ici que la terre est très très souple, très, très facile à travailler. Bon, maintenant je suis un petit peu déçu par la grosseur de les patates douces que j'ai récoltées. J'imagine que c'est un peu à cause de la patate douce de départ, qui est une patate douce du commerce. Je crois que l'année prochaine, je vais en prendre une dans un magasin spécialisé, dans une gainerie, pour avoir des patates douces un peu plus grosses. Comme vous voyez, elles sont pas terriblement grosses, alors que là, elles ont reçu un bon support, bien entendu, puisque c'est un excellent compost et également du engrais, de consoude, hein, du purin de consoude. Voilà. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. Bonne fin de journée.